On a choisi de poser comme dalles autour donc de notre bassin de jardin des dalles Chelsea de la marque Bradstone. Alors, c'est des dalles de pierre reconstituée, donc déjà d'une belle épaisseur, qui ont la particularité de se poser donc sur des selon des profils qui vont s'emboîter les uns dans les autres. Et on va pouvoir garnir après soit de sable, soit de terre pour engazonner nos dalles. Dessous, on avait posé un géotextile qui était déjà posé, donc on va conserver notre géotextile. On va étaler un peu de gravier un peu épais pour drainer. Et puis ensuite, on va étaler du sable dessus, puisqu'on va poser nos dalles sur un lit de sable. En pensant bien qu'on va faire une pente sortante d'à peu près 2% pour que l'eau s'écoule et stagne pas sur la terrasse. Alors après, la pose elle est relativement simple, hein, puisque une fois qu'on a bien préparé notre support, que notre sable est bien de niveau, et ben on va présenter les dalles. Donc vous voyez qu'elles ont une forme particulière, donc il suffit d'emboîter la suivante en laissant un tout petit peu d'espace. Donc on va la positionner. On voit que là, il ne reste pas la place d'une dalle, donc on va prendre le profil qui va ici, et puis on va mesurer et couper notre dalle à la meuleuse. Si votre support est bien préparé, tout de suite, c'est tout de suite simple, c'est assez facile à poser. Et après, on verra. Il y a deux solutions, soit on va cimenter les joints, mais nous on ne va pas faire ce type de pose, soit on va simplement mettre du sable pour stabiliser les joints entre eux. Alors vous voyez ici les joints entre les dalles, on va les stabiliser avec du sable fin. Remettra quand ça sera sec, puisque quand il sera sec, il pénétrera mieux. La pose de nos dalles Bradstone modèle Chelsea est finie. Donc vous voyez que nous on a mis du sable entre. Alors après, à vous de voir si vous voulez mettre de la terre et du gazon, et du sable coloré. Enfin, bon, tout est possible. Il nous restera donc à finir l'installation du bassin. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous aidera à poser une terrasse en dalles de pierre reconstituée. À très bientôt, au plaisir!